総理大臣をお致しておりました菅直人です。今回第3回韓国世界社会フォーラムにご招待をいただきまして大変光栄に思っております。私はこの福島原発事故が起きるまでは日本の輸出水準はかなり高いのでチェルノブイリのような事故は起こさないで済む、このように考えておりました。しかし実際に福島原発事故が起きてその対応に当たる中で私の考え方が全く間違っていたということを強く思い知らされました。 Bonjour. Je vais dire ces mots prononcés avant tout autre par respect et dans la tradition du peuple Ganyagé-Aga ou Mohawk, un peu plus connu ce mot Mohawk, mais ce n'est pas le vrai nom du peuple, qui ont été là pour ouvrir le Forum social mondial à Montréal l'année dernière dans leur territoire et aussi toute la semaine antinucléaire à Montréal. Et juste pour vous aider, je vais faire ça très vite, mais on dit Aguego Ganigurio, qui veut dire tous le bon esprit. Mais les mots que je vais prononcer s'appellent à nouveau les mots prononcés avant tout autre. Un mot comme « skana », la paix, mais on le fait comme ceci. On dit « Merci, Force de création, pour votre générosité et votre cadeau de notre univers, notre mère terre, les eaux sur cette terre, le sang de notre mère, ces eaux. Merci pour toutes les plantes. Tout ce que nous avons consommé ce matin, nos gruots, nos muesli, nos blés dans les baguettes et nos cafés. Merci pour les fruits et les cadeaux de flore et de faune de cette planète. La faune des océans, comme les grands baleines, protégées par notre ami Paul Watson du Sea Shepherd. Les girafes d'Afrique et les hippopotames de Niger. Les grands orignaux et chevreuils. Et des caribous du Canada, les lions de montagne, des rocheuses. Pour toute la faune de la planète, on vous doit et on vous donne nos remerciements. Ainsi que pour tous les arbres, les beaux arbres des Tuileries et du Parc du Luxembourg ici, les chênes et les platanes, tous les beaux arbres de la France. Merci à nouveau pour tout ce que nous touchons comme vent et tonnerre, nos cousins les vents et les tonnerres, et ainsi que pour notre grand-maman la lune, le cœur battant de notre mère terre, et pour le bon esprit, le messager de paix de cette planète, et le monde des esprits de tous nos ancêtres. Merci pour tout ce que les conseils des femmes font pour aider les hommes, pour pousser les hommes dans la bonne direction, pour protéger toutes les générations futures et présentes, et tout cet univers, la femme ciel. Avant tout, nous remercions, nous tous, et nous pouvons nous nommer. Moi, je m'appelle Raymond Stone Iwasa, liaison du conseil traditionnel Ganyagé-Aga, pour la bonté de cet exercice et de cette célébration du Forum social antinucléaire ici à Paris. Alors, à Guégo, Ganigurio, tous le bon esprit. Merci beaucoup. Merci Stone. Bienvenue à tous. Nous sommes très heureux de voir tout ce monde réuni ici pour ces 3 jours où le travail va être intense. Afin de commencer à se connaître un petit peu, je vais vous proposer qu'il y ait une présentation par pays d'où vous venez, pour qu'on sache un petit peu qui est là, et vous aurez l'occasion de vous rencontrer durant ces 3 jours, parce qu'il y a des gens du monde entier qui sont présents ici. Donc, on va faire un petit tour du monde, rapidement. Alors, au niveau de l'Afrique, je crois que les représentants africains ne sont pas arrivés. Ils arriveront demain. On devrait avoir des gens d'Algérie et du Niger. S'il y en a, vous vous levez. Quand je nomme votre pays, vous vous levez. Je crois qu'ils ne seront là que demain. Nous avons des amis des Amériques, d'Argentine.
Je ne sais pas si l'Argentine est présente aujourd'hui. Le Brésil, qui est déjà présent à la table, mais il y en a d'autres dans la salle. Levez-vous, ce sera plus facile. Du Canada, il y a des gens du Canada qui sont présents aussi. Et des États-Unis. Des États-Unis, voilà. Et il y en a peut-être en haut aussi. On voit pas ceux qui se lèvent en haut. Nous avons des amis d'Australie. Où est Marcus ? Lève-toi. Il est là. Nous avons des amis d'Asie, d'Inde, des Indiens qui sont là, debout, les Indiens et les Japonais. Où sont les Japonais ? Bonjour à vous. Et nous avons beaucoup d'amis d'Europe, c'est vrai que c'est plus pratique pour venir ici à Paris, d'Allemagne, les Allemands sont là, d'Autriche, où sont les Autrichiens ? Ils ne sont pas arrivés. De Belgique, il y en aura d'autres. De Finlande, nous avons des Finlandaises. De Grande-Bretagne, bonjour. De Russie, où sont les Russes ? Ils sont partis boire un café. De Suisse, nous avons des Suisses qui sont présents. Oui, bonjour. De Turquie, Pinard, bonjour Pinard. Et d'Ukraine. Peut-être ne sont-ils pas... Ah si, ils sont là, les Ukrainiens. Bravo. Et bien sûr, de France. Les Français sont là. Ouais. Bonjour à tout le monde. Ah, j'ai oublié un pays. Deux. Le quoi? Espagne. Exact. Espagne. Mais c'était sur ma liste. Les Espagnols, excusez-moi. Et le Portugal. Je suis absolument désolée. J'ai encore oublié des pays ? Les Pays-Bas. Il y a quelqu'un des Pays-Bas ? Oui, génial. Du Luxembourg ? Non, il n'y a personne du Luxembourg, je crois. Voilà, je crois que cette fois, c'est complet. Je suis vraiment désolée pour les Espagnols. Et les Portugais. Bien, donc moi je suis Jacqueline Balvet, je suis membre du comité de facilitation du troisième forum social mondial antinucléaire, et je suis dans ce comité de facilitation au titre de l'association ATTAC. Nous allons avoir donc une séance avec Chico Whitaker, un des pères fondateurs des forums sociaux mondiaux, qui va nous faire un rapide historique des forums sociaux mondiaux et des forums anti-nucléaires. Ensuite, nous aurons un message, parce que malheureusement, Monsieur Naoto Kan n'a pas pu être présent pour des raisons d'élections législatives anticipées, mais il nous a envoyé un message qui sera projeté, et un message qui sera complété par le docteur Isako Sakiyama, présent ici. Ensuite, nous aurons une présentation de la situation du nucléaire en France, principalement, avec deux membres du comité de facilitation, Catherine Fumé et Anne-Marie Bonisseau, et une présentation de la situation du nucléaire militaire en France et dans le monde, avec Dominique Lalanne. Et à la fin, je vous donnerai quelques informations pratiques sur comment va se dérouler ce forum. Voilà. Donc, je passe la parole à Chico Whitaker. Je pense que ce micro fonctionne. Allô ? Il fonctionne pas ? Je parle. En français. Français-brésilien. Ah, voilà, ça là. Bonjour tout le monde, chers amis.
Je vais vous parler très rapidement pour ne pas prendre le temps pour d'autres informations qui sont importantes sur l'histoire de ce que nous sommes en train de faire là, d'où est-ce qu'elle vient, comment est-ce qu'elle est née. Alors Jacqueline a dit que c'était, je suis un des fondateurs, c'est pas, c'était tout un groupe d'organisations et de personnes qui ont commencé le Forum social mondial en 2001 au Brésil. Et je crois que peut-être vous êtes plus ou moins informés de cette initiative. Ce n'est pas un simple événement, il est plutôt un processus qui a commencé en 2001. Il a commencé à un moment où se dessinait une domination complète de la pensée du monde sur les questions des problématiques des pays par le forum qui se faisait à Davos, qui se fait encore, qui vous le connaissez aussi, le Forum économique mondial. Chaque année, pour dire un peu ce que les gens doivent penser au sujet des peuples, de la paix, du développement, etc. Alors, le Forum au Brésil est né pour être une espèce d'alternative à ça. Là, se réunissaient les seigneurs du monde, les grandes entreprises, les grands dirigeants des grands pays, 2000 personnes qui allaient, faisaient aussi beaucoup d'affaires. Et nous avons dit, à un moment donné, des Brésiliens ont eu cette idée, pourquoi pas un autre forum mondial aussi, qui ne soit pas centré sur l'économique, mais sur les êtres humains. Donc au lieu d'appeler forum économique mondial, il faut l'appeler forum social mondial. Et nous avons commencé ça en faisant exactement aux mêmes dates de Davos, de façon à créer une possibilité de gagner un tout petit espace dans les journaux, dans la mesure où c'était quelque chose qui était alternatif. Alors ça, c'était le début. C'est un processus qui a commencé très tranquillement. On s'attendait au premier forum quand on a fait à Porto Alegre, au Brésil, où on faisait déjà des expériences importantes sur les budgets participatifs et tout ça. Et on s'attendait à 2000 personnes à peu près, comme le forum de Davos. Et nous avons eu rien que 20 000, comme ça. Donc ça a explosé tout de suite comme un événement qui était opportun. Et les autres se sont suivis. Et nous nous sommes vus obligés de continuer, et parce que c'était très clair que c'était nécessaire, et ça réunissant tous les mouvements qui, dans le monde entier, avaient une autre alternative, un autre monde est possible. C'est ce que nous avons pris comme phrase pour notre démarche. Et nous avons eu jusqu'à plusieurs de 20 000, 50 000, 100 000. Ensuite, nous sommes allés en Inde, suivant, etc., etc. 120 000. Ensuite, au Brésil, 150 000. C'était le maximum qu'on a atteint. On a réatteint 150 000 à Belém, au Pará, au Brésil. Mais ensuite, c'est descendu à un niveau plus tranquille. 50 000. Pas tellement tranquille. 70 000, Kenya, Sénégal. Tunis, deux fois à Tunis, et d'ailleurs c'était à Tunis qui a commencé l'idée de ce forum-là, le premier forum à Tunis. Et ensuite le dernier que nous avons eu, c'était le premier dans un pays du Nord, et c'était là que nous avons connu nos amis à Montréal, au Canada. Donc ça c'est un peu l'historique, mais il faut dire un peu quelques peculiarités de ces processus. Il ne voulait pas être un simple événement, mais il voulait être fondamentalement un espace. Ce n'était pas une organisation, ce n'était pas un mouvement, c'était un espace d'échange pour que les gens se reconnaissent mutuellement, s'articulent au niveau mondial, parce que nous avions chez nous, devant nous, un ennemi des dimensions mondiales, c'est le néolibéralisme qui dominait, domine toujours plus le monde,
et qui aussi l'ensemble des forces de ce genre, il nous faut aussi essayer de construire des forces planétaires aussi pour faire face à ça. Et ça, pour commencer, il faut que nous reconnaissons. Nous savions qui nous sommes. Ça, c'était l'espace pour cette reconnaissance mutuelle et ensuite pour les articulations possibles. Une autre chose, une peculiarité, c'est que nous avons essayé d'innover aussi dans la méthode politique. C'est-à-dire, au lieu de simplement construire comme des forums en général, nous avons construit un forum horizontal où toutes les activités sont de la même importance. Même si elles sont très petites, si elles sont très grandes, si elles sont menées par une organisation mondiale, si elles sont menées par une organisation locale, toutes ont la même importance. Et d'une façon générale, l'horizontalité du rapport dans le forum était une condition. Et ensuite, nous avons pris aussi l'idée comme peculiarité et que le forum ne serait pas, comme tous les forums en général, organisé d'en haut. C'est-à-dire un groupe qui prend l'initiative et choisit qui est-ce qui doit parler sur quel thème et établit le programme, invite les gens, et les gens viennent, et les autres qui ont la possibilité de les entendre, très bien. Là, le forum il est complètement auto-organisé. C'est-à-dire il n'y a d'activité organisée par les comité de facilitation, mais plutôt des organisations. Nous avons même le nom comité de facilitation. Nous avons commencé ça dès le début. Ce n'était pas un comité d'organisation, c'était de facilitation. Mais toutes les activités sont celles que les participants inscrits veulent développer. Alors, ils ont donc toutes les activités sont nées des propositions et des besoins des gens qui viennent échanger dans cet espace. Et alors, à l'intérieur de ça, toutes les idées pour des actions sont bienvenues. Alors, simplement, j'ai encore 5 minutes ou 5 secondes ? Minutes. Voilà. Donc, à ce moment-là, toutes les activités sont organisées, ça, c'est la méthode, et les processus. Il a commencé à un niveau mondial. Mais tout de suite, l'année suivante, d'autres forums du même genre, de même méthode, de même perspective, sont nés au niveau régional, européen d'abord. Ensuite, il y a eu de nord-américains, il y a eu de latino-américains, il y a eu des forums africains. Il y a eu aussi des forums nationaux qui ont commencé à se multiplier dans plusieurs pays. Et il y a eu même des forums locaux. Et en France, il y a pas mal de petits forums locaux qui se font un peu partout. Il y a une charte de principes qui a été élaborée, pas avant le premier forum, mais avec l'expérience du premier, après les premiers forums. Il a été élaboré entre le premier et le deuxième pour consolider un peu les options méthodologiques spécialement que nous avons adopté dans le forum. Et dans cette charte de principes, elle dure jusqu'à présent et on est en train de faire. Et maintenant, dans cette démarche, nous sommes passés doucement à l'idée des forums thématiques. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un forum ouvert à toute la problématique possible et imaginable, c'est un peu ça, les grands forums mondiaux, il y a de tout là-dedans, nous avons commencé des forums du type thématique, c'est-à-dire au sujet d'un thème plus précis. Ce qui permet pour les gens de développer, de construire des actions plus concrètes, parce que c'est plus tourné vers un point. Alors, ce forum-là, donc, qui se fait ici, est un forum thématique, mondial, social, mondial, thématique, sur la thématique nucléaire, civile et militaire. Il a commencé, comme je vous ai dit, au forum de Tunis. Le forum de Tunis 2013 ou 2015, un groupe de Brésiliens, Français, Japonais qui étaient là ont fait des activités auto-organisées au sujet du thème nucléaire. Et dans ces forums est née l'idée, pourquoi pas faire des forums thématiques là-dessus. Et les premiers étaient faits presque tout de suite, c'est-à-dire une année après, au Japon,
C'était les premiers qui étaient au Japon. Dans ce forum au Japon, l'idée est venue de faire le deuxième à l'intérieur du forum social mondial suivant, qui se faisait à Montréal en août. Et dans ces forums de Montréal, ceux qui étaient là, spécialement les Français, n'est-ce pas, se sont dit pourquoi pas proposer un forum social thématique en France l'année prochaine. Et c'est là que nous sommes en train donc, de faire. Alors, je crois que c'est tout, mais on aura pendant le forum l'occasion de développer, c'est un des thèmes d'un des ateliers, d'une des activités, et c'est aussi un thème de dernière plénière finale. Pourquoi pas constituer vraiment un réseau mondial antinucléaire ? Pas seulement se rencontrer, pas seulement se connaître, mais et monter un réseau pour que nos luttes puissent nous aider mutuellement et que nous puissions avancer en dépassant nos difficultés naturelles. Moi-même, personnellement, donc, je suis Chico Vitaker, mon nom. J'ai fait partie au Brésil de plusieurs organisations de tous les temps qui étaient arrivés jusqu'au forum. Mais depuis Fukushima, qui a réveillé quand même un bon nombre de gens au Brésil, j'ai fait partie d'une coalition pour un Brésil libre de centrales nucléaires et qui s'appelle Show Nucléaire. C'est qu'en portugais, ça veut dire va-t'en nucléaire, pas nucléaire, n'est-ce pas? Et nous avons là une de nos participantes qui est là. Voilà. Et donc, et nous avons aussi une articulation antinucléaire brésilienne. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Merci, Chico. Oh, ça y est. Nous allons maintenant passer le message vidéo de M. Naoto Kan, qui était Premier ministre au moment de la catastrophe de Fukushima et qui a démissionné après. Et il va nous expliquer pourquoi il a démissionné. Donc la parole à M. Naoto Kan. Minasan, konnichiwa. Watashi wa 2011年3月11日に起きた福島原発事故の当時、日本の総理大臣をいたしておりました菅直人です。今回第3回反核世界社会フォーラムにご招待をいただきまして大変光栄に思っております。しかし残念ながら日本で突然衆議院が解散され総選挙になりまして、私がこの会に参加をできなくなってしまいました。大変私も残念ですし、皆さんには心からのお詫びを申し上げたいと思います。そこで、私からのメッセージを皆さんにお伝えしたいたしたいと思います。この福島原発事故は、かつてのアメリカのスリーマイル事故、あるいはソ連のチェルノブイリ事故よりも かなり大きな事故であったことは、皆さんもご承知の通りであります。福島原発事故では3基の原発がメルトダウンを起こしました。そしてそれはメルトダウンにとどまらず、溶けた燃料が圧力容器の底を抜いて格納容器の底にまで達しました。そしてそのコンクリートを削って、あとわずかで格納容器からも外に出る寸前でありました。もし溶けた核燃料が格納容器を突き抜けて外に出ていたら、もっと大きな被害になったと思われます。当時私は原子力の専門家である原子力委員長に最悪の場合のシミュレーションを依頼いたしました。それに対して出されてきた報告書では、最悪の場合には福島原発から250キロ圏の範囲、この中には東京も含まれます。日本の約4割5000万人が生活しております。この5000万人が避難をしなければならない、長期にわたって避難が必要になる、
こういう報告でありました。こうならなかったことはもちろん関係者が命をかけて頑張ってくれたこともありますけれども、同時にいくつかの幸運があり、私は神のご加護があってこの程度の被害で収まったと、このように思っているところであります。私はこの福島原発事故が起きるまでは日本の技術水準はかなり高いので、チェルノブイリのような事故は起こさないで済む、このように考えておりました。しかし実際に福島原発事故が起きて、その対応に当たる中で私の考え方が全く間違っていたということを強く思い知らされました。そうした中で私はこれからの世代、子供や孫の世代を考えれば、日本においてもさらには世界においても原発はなくすることが必要だ、このように強く確信をいたしました。福島原発事故の当時、我が国には54基の原発が存在し稼働しておりました。しかし事故から6年経った今日、稼働している原発はわずか5基にとどまっております。それは日本国民の過半数が原発をできるだけ使わないようにしよう、あるいはそのための訴訟、そのためのいろいろな形の運動が大変広範に行われており、そうした国民の声が原発の稼働を押しとどめている、このように考えております。しかし今なお福島原発の周辺の住民は10万人以上が避難をいたしております。最近になって一部除染が進んで帰還が許される地域が出ております。しかし帰還が許された地域においても比較的お年寄りは帰還される方がありますけれども、若い人、そして子どもたちは帰還をする人はあまりおりません。つまりは放射能汚染の地域についてさらなる被曝を恐れているからであります。こうした中で我が国においても子どもたちを中心に健康診断が継続されております。公的にはその健康診断の結果、がんの発生率が高くなったということまでは認められておりません。しかし専門家の一部からは子どもたちの喉頭がんが増えている、まあ、こういう心配の声が上がっております。これからも長期間にわたって被曝による健康被害についてフォローし、そして対策を打っていかなければならない、このように考えているところであります。福島原発事故以降、日本におけるエネルギー事情は大きく変わりました。まず事故直後から電力の使用量が約 10% 低下をいたしました。それは我慢をするということではなくて、より効率的に電気を使っていく、このことが徹底された結果であります。また私が総理として最後の仕事として導入したフィードインタリフの制度が、今日本では太陽光発電を中心に再生可能エネルギーの拡大に大きな効果を表しております。そういった意味でこれからは原発でもなく、さらには化石燃料でもない再生可能エネルギーを使う、それに変えていく、これは世界の大きな流れであり、また人類が進めるべき道だと、このように考えております。再生可能エネルギーの元は太陽からのエネルギーです。専門家の分析によれば、太陽から地球上に降り注ぐエネルギーの量というのは現在人間が使っているエネルギーの量の約1万倍にあたるということであります。
つまりは太陽から降り注ぐエネルギーの1万分の1を人類にとって有効に活用することができれば、化石燃料も原発も使う必要はないことを意味しております。そしてさらにこのことは、あらゆる国々が自らの国のエネルギーを再生可能エネルギーで自給できる、賄うことができることを合わせて意味しております。そうなれば、歴史の中で多く発生したエネルギーをめぐるいろいろな紛争、そういったものがなくなっていく、なくすることができる、このように考えております。今回のフォーラムでぜひ皆さん方が将来の世界に向かっての変革、さらには再生可能エネルギー、そういった問題について、有意義な討論され、大きな成果を収められることを心からお祈りをいたしております。そして改めて私自身が参加ができなかったことについて皆様方にお詫びを申し上げ、またの機会ぜひともお招きをいただきたい、このことをお願い申し上げて私からのご挨拶とさせていただきます。どうか成功をお祈りいたしております。ありがとうございました。Ce micro ne marche pas. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nous allons continuer. Ça ne marche toujours pas. Ils ont baissé le son. Bien, donc nous allons continuer... La situation sur le Japon avec le docteur Isako Sakiyama, qui va vous faire sa présentation en anglais. Merci beaucoup. First of all, I would like to thank Mr. Colin Kobayashi and the organizing committee for inviting me to this important forum.There are so many difficult problems that were caused by accident at the Fukushima Daiichi nuclear power plant. For my talk today, I have selected what I feel are the three most difficult and important problems, as shown in this slide. Can you see?Okay. I have as shown in this slide. The first is a difficult problem at the TEPCO accident scene. Was I done? The situation at the accident scene.Remained serious with many ongoing problems. Here we see an overview of TEPCO power plant. Since the groundwater continues to flow into the basement of damaged reactor buildings of Unit 1, 2, 3, where fuel debris is exposed, the amount of contaminated water.Continues to increase. As you are probably aware, the water being collected, most of the radioactive materials in the water can be removed using multi-nuclide removal equipment. However,
not the tritium. Some of the water is recycled to cool the fuel debris. The rest of it is stored in the tanks. As a result, the number of contaminated water tanks continues to increase. To reduce the groundwater inflow into the building, TEPCO tried to freeze the soil surrounding the circumference of the four reactor building to make an impermeable wall. The wall is a blue line. This one, the blue line. The wall is a blue line in this slide. Their efforts have not been successful. Another way they are trying to reduce the inflow to the buildings is to pump out groundwater from the mountainside upstream of the buildings and discharge it into the sea. The amount of contaminated water in the tanks has now reached over 1 million tons. Some of the water is still being stored in flange tanks like the one in this slide. These tanks are prone to leaks and are slowly being replaced with wedge tanks. TEPCO desires to reduce the amount of water being stored and so wants to discharge tritium-containing water into the ocean. Already they have received approval from Nuclear Regulatory Authority to do so. However, the local fishermen have opposed the plan, and so the result is the situation is in deadlock. This exhaust stack is located between reactors number 1 and 2. The stack was highly contaminated by the release of radiation during the accident. Hot spots around the stack are about 20 sieverts per hour. With such a level, one gets lethal dose irradiation in 20 minutes. The stack is 120 meters high and is supported by diagonal braces. As you can see in the slide, at 45 and 60 meters from the ground, there are breakages in the brace. If this stack should fall in the spent fuel pools of Unit 1 or 2, nobody can imagine what the result would be. TEPCO is planning to begin dismantling the stack sometime in 2018. In this slide, we see the situation in the cooling pool within the spent fuel pools of Unit 1, 2, and 3. There are 1,510 spent fuel assemblies. TEPCO plans to start removing the assemblies from the Unit 3 pool next year and then remove the remainder from Unit 1 and 2 starting in 2023. As the structure of the pool was probably damaged during the earthquake, we can only hope the pool will not leak or collapse until the work is completed.
core meltdown occurred in three reactors. This is an overview of reactor 3. Most of melted fuel dropped down into the containment vessel. TEPCO plans to remove the fuel debris from reactors 1, 2, and 3 in about 30 to 40 years. As they currently don't know where the debris is, it is hard to believe that they will be able to complete the removal within their timeline. An enormous amount of radioactivity was released into the environment during the accident. Even so, a lot still remains. In fact, site has 800 times the radioactivity that was released during the accident. And thus, the danger remains grave. The radioactive materials on the site are not contained in standard containment facilities. Their presence thus poses a great threat to the environment. The Japanese government should keep residents away from such a dangerous place, but in fact, they are doing the opposite. Now I would like to talk about the problems of this decontamination and the government's policy to return residents to the evacuation zone. About one third of Fukushima was contaminated with radioactivity, and more than 150,000 residents were evacuated from Fukushima. This map shows the three evacuation zone levels that the Japanese government originally set up. In the green and orange areas, the government has been step by step lifting the evacuation orders. The government has been trying to decontaminate some areas as they want the evacuee can return. However, it has proven impossible to reduce the radiation dose to 1 millisievert per year, which is the exposure limit for everyone else everywhere in Japan. In order to overcome this problem, the government raised the limit for Fukushima residents to 20 millisievert per year, and they insist that the risk is not discernible, even at 100 millisievert. Here we can see some of the plastic bags that contain contaminated materials. These bags are accumulating in many places around Fukushima. This is a typical temporal disposal site. There are now more than 9 million plastic bags spread out in many such disposal locations in Fukushima. Their final place of disposal has not been decided yet. The Ministry of Environment trying to reduce the volume of the contaminated materials being stored by incinerating combustible materials or reduce the contaminated soil in the bags as roadbed material or embankment. In order to achieve this policy, they change the permissible radioactive levels
for contaminated materials to 8,000 becquerel per kilogram. Before the accident, the limit was 100 becquerel per kilogram. This is an 80-fold increase. Such a policy is absolutely unwise and wasteful for the people doing the work and to the global environment. The government has spent a lot of money to gather the contaminated materials. The workers doing the work were unnecessarily exposed to the radiation. Finally, the combustible radiation contained in the bags will be released into the environment through extremely expensive incinerator, and contaminated soil will be distributed all over Japan. Such a policy does more harm than good. The next problem I would like to talk about is the increase in the prevalence of pediatric thyroid cancer in Fukushima. Taking iodine tablets can help prevent thyroid cancer. At the time of the accident, the Fukushima Prefecture government had iodine tablet ready for distribution, but they didn't distribute them. Since childhood thyroid cancer increased dramatically after the Chernobyl accident, the Ministry of Environment decided to implement ultrasound thyroid examination as a part of Fukushima Health Management Survey. They commissioned the Fukushima Prefecture government to do the work. The prefecture government then requested Fukushima Medical University to do the examination. The university started them in October 2011 and checked about 300,000 residents who were 18 or younger at the time of the accident. The table shows the result from the three rounds of checks that they have done so far. A total of 194 cases were found. The normal prevalence of childhood cancer is 2 or 3 cases per million per year. The result of the first round found the rate to be about 20 to 50 times more than the normal. The university officials claim that this high figures was not in fact an increase in occurring, but an excess of detection due to screening of asymptomatic individuals by highly sensitive ultrasound equipment. If this excess in prevalence was a screening effect, then no thyroid cancer should be found in the second round of examination. Contrary to expectation, in the second round, the further 71 cases were found among the 270,000 participants, clearly demonstrating an excess again. As a result, Oversight Committee changed their opinion and said it was not just a screening effect, but an over-diagnosis. So far, 125 people have had operation on their thyroid at the Fukushima Medical University.
Dr. Suzuki performed the operation, and in this slide, we can see the result. Based on the observation shown in this table, he does not agree that overdiagnosis is the reason for so many cases. Here we can see approximately 80% of the thyroid tumor metastasized to the lymph node, and 40% showed extrathyroidal invasion. For such symptoms, operation were needed. Although Dr. Suzuki disagreed with the idea of overdiagnosis, he insists that the high prevalence is due to the screening effect, but not radiation. In March 2016, the Oversight Committee published their interim report based on only the first round examination. They expressed their opinion that even though prevalence of thyroid cancer is tenth of times in excess of the norm, it is unlikely attributable to radiation. The main four reasons they gave are shown in this slide. These reasons are not based on fact or truth. For example, they claim that no thyroid cancer was found in children of 5 years old or younger at the time of the accident. In reality, they found one case of 5 years old boy and even treated them, but they did not mention the case in the report. I will talk about other counter-arguments against the report later. The government wants to restore Fukushima Prefecture to inhabit a habitable environment, and most government-supported radiation specialists are cooperating by downplaying the radiation risk. As a result, the thyroid cancer patients are being pressured not to speak out about their disease. In principle, the Japanese government is responsible for the accident and should support them. In fact, a child victim of the nuclear accident law was created by the Diet to provide protection and support for the victim, especially children. The Japanese government, however, has not administered the law as it was envisioned. They only implemented ultrasound examination for people living in Fukushima. People in other prefectures are not being tested. As a result of this inadequacy, a group of private citizens established the 311 Fund for children with thyroid cancer to provide victims with economic and mental support. The patient diagnosed with cancer at 25 or younger, who lived in the prefectures seen in the picture in the left when the iodine plume passed, are eligible to apply for support. The fund provides 100,000 yen for each individual. The number of patients we support from the prefecture is shown in the right. There were 73
from Fukushima and 27 from other areas. Officially, 194 patients were found in Fukushima, but only 73 patients applied for our assistance. This may be an indication of social pressures on patients to hide the disease. In the interim report of the Prefecture Oversight Committee, they denied the radiation effect on the high prevalence of thyroid cancer based on the reasons shown in this slide. We can argue down their claim based on the actual evidence as shown here. Now, I will just talk about the first problem you see in this slide. After implementing our 311 fund, a boy who was 4 years old at the time of the accident applied for support. His case was not reported by Fukushima Medical University, and no member of the oversight committee except the member of the university knew about the case. The boy was diagnosed with thyroid cancer during the second round of screening. He was transferred to a clinical follow-up program within the national healthcare system. Data from such follow-up cases are not shared with the oversight committee. Even though the boy was followed up and had an operation at Fukushima Medical University in early 2016, he was not reported to the committee. The number of follow-up cases is now 2,719, and nobody knows how many children developed cancer among them. This fact reveals that the result reported by Fukushima Medical University lacks scientific integrity. Thus, one of the main reasons used by the Oversight Committee to deny the effect of radiation for the thyroid cancer can now be considered groundless. Since the accident, more than 12,000 victims have filed suit at local court against the government and TEPCO. So far, two courts, the responsibility of government and TEPCO for the accident was admitted. At the third court, the ruling was the government was not responsible. There are many more ongoing cases. It should be remembered that even when painful win such cases, the loss of their home, the environment, and their community does not return to what it was before the accident. Since the complete recovery from nuclear accident is impossible, we need to prevent accident from happening in the first place. The only way to do so is to shut down all nuclear power plants in the world. Thank you for your kind attention. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Isako. Donc nous allons maintenant passer la parole à... Ça fonctionne ? Oui ? Nous allons maintenant passer la parole à la situation ici en France, parce que comme l'a rapidement dit Chico, c'est vrai que c'était pour nous, Français, indispensable d'organiser un tel événement, dans la mesure où, comme chacun le sait, la France est actuellement le pays le plus nucléarisé au monde par habitant. Voilà, donc on ne pouvait pas ne rien faire. Et on va vous donner un petit peu des précisions sur la situation du nucléaire civil, plus particulièrement en France, également dans le monde, mais plus particulièrement en France. Et je passe la parole pour cela à Anne-Marie et Catherine, qui vont se présenter. Donc, Anne-Marie, je suis membre du comité de facilitation du Fonds Forum Social Mondial et membre d'un collectif contre l'ordre atomique en région parisienne. Voilà. Catherine Fumé, donc je suis membre du comité de facilitation et puis mandatée par le réseau Sortir du nucléaire à l'intérieur de ce comité. Et je fais partie de plusieurs groupes locaux et régionaux. Oui, promis, je vais essayer. Donc ce texte que nous allons vous lire, ce n'est pas nous qui l'avons écrit. C'est une élaboration collective du comité de facilitation qui nous a choisi comme porte-voix, porte-parole. Alors, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec la création par De Gaulle du Commissariat à l'énergie atomique, le CEA, la France a développé conjointement les armes nucléaires et la production d'électricité d'origine nucléaire. Cette production est assurée par 58 réacteurs de la filière des réacteurs à eau sous pression et uranium enrichi. Pour la plupart d'entre eux, sous licence Westinghouse, répartis dans 19 centrales nucléaires possédées et exploitées par la compagnie d'électricité EDF. Un nouveau réacteur de puissance supérieure à celle des précédents, l'EPR, est en construction sur la côte normande depuis 2006. Avec 75% de sa production totale d'électricité assurée par le nucléaire, la France est le second pays au monde, après les États-Unis, par le nombre de réacteurs en activité, et le premier par habitant, et possède près de la moitié des réacteurs électronucléaires en fonctionnement implantés dans l'Union européenne. S'ajoutent aux centrales nucléaires les industries du combustible nucléaire, dépendant de l'entreprise Areva, et qui se situe en partie au confluent des activités civiles et militaires. Extraction de l'uranium en France jusqu'aux années 80, puis dans des pays étrangers. Conversion et enrichissement de l'uranium. Fabrication des combustibles à uranium. Entreposage des combustibles irradiés avant leur retraitement à La Hague. Production du plutonium par le retraitement. Fabrication de combustible au plutonium, le MOX. Toutes ces activités produisent des déchets radioactifs, résidus des anciennes mines d'uranium, uranium appauvri de l'enrichissement et du retraitement, combustibles irradiés au sortir des réacteurs, plutonium non utilisé, déchets de tout niveau de radioactivité produits par l'usine de La Hague. S'y ajouteront les déchets du démantèlement des centrales et des usines nucléaires. Aucune solution satisfaisante n'existe actuellement pour la gestion à long terme des déchets. Le projet CIGEO, d'enfouissement irréversible en couches géologiques profondes, est totalement inacceptable, tant du point de vue technique que du point de vue des risques et de l'éthique
vis-à-vis des générations futures. L'ensemble des centrales et des usines représente d'une part une pollution permanente du fait des rejets de matières radioactives dans l'atmosphère et dans l'eau, notamment à La Hague, et d'autre part constitue un danger permanent en termes d'accidents graves ou majeurs. Le président de l'autorité de sûreté, ASN, déclarait en avril 2016 « Un accident majeur comme ceux de Tchernobyl ou de Fukushima ne peut être exclu nulle part dans le monde, y compris en Europe. » Le tout électrique, tout nucléaire a dominé la politique de l'énergie de la France depuis plus d'un demi-siècle et a été imposé par tous les gouvernements au nom de la raison d'État et d'une prétendue indépendance énergétique, alors que l'uranium est entièrement importé et que la contribution nucléaire à la consommation énergétique finale, dominée par les produits pétroliers, n'est que de 16%. L'imbrication technique, économique et institutionnelle du civil et du militaire a conduit à la politique du secret et à l'exclusion de fait du débat citoyen. La conjonction d'un État excessivement centralisé, des grands organismes publics, d'une haute administration pro-nucléaire, de la grande majorité des partis politiques et des firmes internationales des secteurs de la sidérurgie, des travaux publics, de Westinghouse et des banques, a réussi à imposer ce programme colossal et surdimensionné, au moyen d'une propagande éhontée, utilisant des arguments tels que le nucléaire ou la bougie, la manne financière aux communes, la pression sur les personnes dans nombre d'organismes, d'administrations et d'entreprises, excusez-moi, je baissais le ton là, l'opposition au nucléaire, quand elle n'est pas durement réprimée, est considérée comme une atteinte à la grandeur de la France. Que l'on considère les acteurs industriels directs, EDF et Areva, ou les entreprises et organismes périphériques, le système électronucléaire français subit aujourd'hui la conjonction de crises profondes qui peuvent avoir des conséquences désastreuses. En premier lieu, crise technique et industrielle, causée par le vieillissement des installations et par la présence dans un grand nombre de réacteurs en fonctionnement, ainsi que dans le réacteur EPR en construction, de pièces qui ne respectent pas les normes de sûreté, soit du fait d'erreurs dans les choix techniques, soit, ce qui est extrêmement grave, de la falsification des dossiers de certification technique. Des centaines de pièces à des degrés divers de non-conformité ont été détectées. Cette crise se double d'une crise de la sûreté nucléaire, car elle met en évidence de graves faiblesses dans la chaîne de contrôle, dévoile un jeu dangereux de dissimulation ou de mensonge des acteurs industriels et le manque de réaction forte de la part des organismes et autorités de sûreté qui devraient sanctionner tous ces manquements et qui, faute de moyens certes, mais aussi de véritables autorités et de réelle indépendance, font le jeu des industriels, eux-mêmes soutenus par le pouvoir politique. S'ajoute à ces crises l'échec d'une stratégie industrielle de développement forcené et tout azimut qui se traduit par une profonde crise financière. Areva n'est sauvé de la faillite que par l'injection de 7,5 milliards d'euros de fonds publics et une restructuration qui transfère à EDF son activité réacteur. EDF, de son côté, voit sa dette brute augmenter de 28 milliards d'euros en 2007 à 75 milliards en 2016. Le cours de son action baissait de 60 euros en 2007 à 9 euros en 2016.
tandis que ses investissements sur 10 ans, d'ici à 2025, atteindraient 165 milliards d'euros. Cette situation entraîne une crise sociale, car ces restructurations s'accompagnent de licenciements, de pression sur les personnels et les travailleurs extérieurs, sous-traitants et intérimaires, de réduction des dépenses et du temps imparti aux travaux de maintenance. La conjonction de ces crises ne fait qu'accroître le risque d'accident. En outre, depuis Tchernobyl, nous devons condamner vigoureusement l'implication du lobby nucléaire français, à commencer par le CEA, l'IRSN, l'ASN et leur consortium, le CEPN, qui coordonne l'équipe du projet ETHOS, dans la minimisation, voire la négation, des conséquences sanitaires de l'accident de Fukushima. Et ceci en parfait accord avec les autorités japonaises actuelles pro-nucléaires. Puisqu'en organisant des séminaires et des colloques, en créant un site qui diffuse des informations mensongères, le lobby français est devenue la locomotive de ce négationnisme international. Sa stratégie de l'ignorance ne sévit pas seulement à Fukushima, mais s'étend aujourd'hui, avec la plateforme NERIS, à l'échelle de l'Europe tout entière. De toute évidence, il se prépare à l'éventualité d'un accident majeur en Europe ou ailleurs. On ne peut accepter qu'il nous prépare, nous, à l'inacceptable. Et tout cela dans un contexte mondial de déclin de la production d'électricité d'origine nucléaire. La part du nucléaire dans la production mondiale d'électricité a atteint son maximum de 18% en 1996 et n'a cessé de décroître ensuite. Elle était de 11% en 2016. Décroissance régulière aux États-Unis, abandon en Italie, mise en œuvre dès 2000 d'une sortie définitive en Allemagne en 2022, renoncement ou report de décision dans de nombreux nouveaux pays. Dans la pratique, seule la Chine poursuit un programme ambitieux, mais qui déjà se restreint et connaît des retards. Trois grandes raisons à cela. Les risques d'accident, l'impasse des déchets et des coûts croissants. Aux États-Unis, certains réacteurs en fonctionnement sont arrêtés définitivement pour des raisons économiques. Pour ces mêmes raisons, la construction en cours de réacteurs a été arrêtée. En France, la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, adoptée en 2015, impose une réduction de la part du nucléaire dans la production d'électricité de 75% aujourd'hui à 50% en 2025. La seule décision pratique de la PPE, Programmation pluriannuelle de l'énergie, est l'affirmation de la nécessité de poursuivre le retraitement des combustibles irradiés et d'étendre l'utilisation du MOX à de nouveaux réacteurs, ce qui paraît à la fois difficile techniquement, dangereux et très coûteux. La balle est renvoyée à EDF qui devait fournir, dans un délai de 6 mois, un plan stratégique compatible avec l'objectif des 50%. Une première version ayant été refusée par le gouvernement précédent, on attend la suite et l'élaboration de la prochaine PPE. Rien n'est encore acquis. Durant cette période d'un demi-siècle où le tout électrique, tout nucléaire a été imposé, car on a demandé très rarement leur avis aux députés élus et jamais aux Français, le mouvement anti-nucléaire s'est rapidement développé au début des années 1970 et a été marqué alors par des luttes contre l'implantation des centrales et des usines nucléaires, dont Superphénix,
et des luttes pour les conditions de travail, à La Hague en particulier. Cette opposition s'est heurtée à la puissance du système nucléaire et les relais politiques qui se sont quelquefois présentés n'ont en général pas respecté leurs engagements. Lorsque le programme nucléaire s'est trouvé installé dans les années 1980, la force de la puissance publique, alliée aux puissants moyens de propagande et d'achat des consciences, a conduit à une acceptation passive assez générale et à un appauvrissement du mouvement. Le mouvement anti-nucléaire français est très diversifié et parfois divisé. On y trouve des associations nationales, les unes ayant pour seul objectif la lutte contre le nucléaire civil et ou militaire, d'autres englobant la lutte contre le nucléaire dans des objectifs plus larges, altermondialistes, anticapitalistes, partis de la décroissance, critique de la société industrielle, voire de la science, défenseur de l'environnement global et local, porteur des systèmes énergétiques décentralisés et citoyens. S'y ajoute, et c'est là que l'on trouve les luttes les plus proches du terrain, nombre d'associations locales ou territoriales qui se sont créées en opposition aux implantations nucléaires. Par exemple, mais elles existent à peu près sur tous les sites, autour de Fessenheim, de La Hague, de Flamanville, de Cigéo. Cette opposition locale est souvent très active, mais se heurte à la manne financière qui arrose les communes voisines et convainc la plupart des élus locaux. Ces obstacles sont connus dans tous les pays possédant des installations nucléaires, mais ils sont particulièrement puissants dans un État nucléaire qui conjugue la domination dans la production d'électricité et la force du couple civil-militaire. Au-delà des difficultés de la situation antinucléaire dans une situation... Au-delà des difficultés de la lutte antinucléaire dans une situation aussi verrouillée, certains groupes proposent aussi les causes suivantes pour expliquer ces échecs. L'oubli de la question de l'arrêt dans les plus brefs délais ou encore l'arrêt immédiat, plus crédible que la sortie progressive. L'unanimité des partis politiques dominants, de gauche comme de droite, pour développer l'industrie nucléaire. Le manque de remise en cause par le mouvement antinucléaire de la science et du mythe du progrès qu'elle véhicule. L'insuffisance prise en compte du fait que le nucléaire est marginal dans la consommation énergétique finale dans le monde, à 2,5%, mais gigantesque quant à ses conséquences néfastes. Cela aurait dû l'amener à insister davantage sur l'arrêt du nucléaire plutôt que sur les solutions de remplacement. Tout cela, avec l'expérience de chacun et avec l'apport de nos amis étrangers qui ont subi ou subi ces attaques permanentes du système nucléaire, sera débattu, argumenté, partagé dans les nombreux ateliers de ce troisième forum social mondial. Bon, après un panel comme celui-là qui vous présente beaucoup de choses très difficiles, je ne vais pas amplifier le drame que nous vivons dans l'humanité, mais je vais parler du nucléaire militaire. Donc, Dominique Lalanne, je suis physicien nucléaire à la retraite
Je suis responsable d'une association qui s'appelle Abolition des armes nucléaires, qui fait partie du collectif de la campagne ICAN, qui a été récompensée par le prix Nobel de la paix récemment. Ces applaudissements, je vous remercie, ils vont à un certain nombre de gens ici présents qui étaient dans cette campagne au niveau des négociations à l'ONU, au niveau du lobbying auprès des États, qui étaient la partie active de la population mondiale, disons de nous les peuples dans l'ONU et nous les peuples sur la Terre, qui avons changé les choses avec ce traité d'interdiction qui a été décidé à l'ONU au mois de juillet. Donc je vous remercie pour ces applaudissements, mais je ne suis pas le seul. C'est tous ceux qui, parmi nous, ont été dans cette campagne et ont été actifs pour ce prix Nobel. Ce prix Nobel, en fait, vient pour couronner le traité d'interdiction des armes nucléaires. Ce traité d'interdiction, qui arrive après les interdictions des armes chimiques et biologiques, a été voté par 122 pays contre un pays, les Pays-Bas, qui ont été évidemment tout à fait poussés par d'autres pays de l'OTAN pour voter contre, mais qui a participé quand même à ce traité, à l'élaboration de ce traité. Les autres pays nucléaires, et la France en tête, mais pas seulement la France, les pays nucléaires en général, n'ont pas participé du tout à l'élaboration de ce traité. Ils ont complètement boudé ce traité en décidant que c'était contre-productif et qu'au contraire, un traité d'interdiction, mais tenez-vous bien, un traité d'interdiction augmentait l'insécurité internationale. Oui, vous pouvez dire « ouh » parce que c'est scandaleux. Alors ce traité est assez nouveau dans la mesure où il interdit la possession, la fabrication, mais également il interdit la menace d'armes nucléaires, c'est-à-dire qu'il interdit toute doctrine de dissuasion nucléaire. La France devient hors la loi, mais pas seulement. Alors ça a été un processus sur les 10 dernières années, et ce processus a été complètement nouveau dans la mesure où les États qui sont non nucléaires ont jugé que les États nucléaires ne décideraient jamais d'éliminer leurs armes, bien qu'ils s'y soient engagés dans un traité de non-prolifération qui précise dans son article 6 que de bonne foi, les pays nucléaires doivent éliminer leurs armes. Donc, après ce ras-le-bol mondial, il a été décidé de faire un traité, de prendre l'initiative, et chose très nouvelle à l'ONU, de prendre l'initiative avec les ONG dans une campagne internationale qui regroupait toutes les ONG au niveau mondial. Évidemment, la situation mondiale pourrait être parfaitement rose avec ce nouveau traité, mais ce n'est pas le cas puisque les pays nucléaires ont tous actuellement des programmes de modernisation pour les 50 prochaines années. Donc c'est une fronde internationale qui s'est levée. Nous avons gagné la première étape, mais il reste du travail. Alors ce forum social, va nous permettre de réfléchir à l'étape suivante. On a un traité d'interdiction, mais qu'est-ce qui va se passer après ? Alors vous allez pouvoir participer à plusieurs ateliers. Il va y avoir un film sur la bombe et nous au début d'après-midi pour vous montrer comment se situe ce débat, pour réfléchir et pour analyser aussi les blocages dans l'opinion publique, parce que nous nous heurtons à certains blocages, et en particulier nous nous heurtons au refus de débat. Alors, c'est sûr que nous nous confrontons à un complexe militaro-industriel très puissant, puisque ce complexe militaro-industriel gagne, grâce aux armes nucléaires, 100 milliards de dollars par an. 100 milliards de dollars, c'est pas rien. Et la France, elle, paye ses armes nucléaires 4 milliards d'euros, parce qu'on paye, on est en euros en France.
4 milliards d'euros par an et ça va progressivement passer à 6 milliards avec le nouveau gouvernement qui décide d'avoir des nouvelles installations nucléaires. Actuellement, il y a 15 000 bombes nucléaires en service. 15 000. Et il y en a 2 000 en état d'alerte permanent. En état d'alerte permanent, ça veut dire que dans quelques minutes, la décision peut être prise et quelques dizaines de minutes après, la bombe arrive à destination. Il y a en France 96 bombes nucléaires prêtes à partir en permanence avec une puissance de frappe équivalente à 1000 Hiroshima. Donc vous voyez, le président, notre président Emmanuel Macron peut quasiment décider avant la fin de ce forum de la fin du monde. Alors, vous êtes dans un pays qui se vante de sa dissuasion nucléaire et qui se vante que cette dissuasion nucléaire permet de défendre nos intérêts vitaux, c'est-à-dire en fait, on y passe tous si on veut les défendre, donc on meurt tous. C'est une assurance, c'est pas une assurance vie, c'est une assurance décès. Et vous êtes dans une Union européenne qui compte 4 États nucléaires qui ont des armes nucléaires américaines, 4 États qui ont des armes nucléaires américaines. Et ça veut dire que les pilotes de ces pays-là, les pilotes de bombardiers, peuvent transporter des bombes nucléaires sur un ordre de l'OTAN et aller bombarder des villes et donc commettre des crimes contre l'humanité. Dans un tel forum, je voudrais d'abord qu'on ait une pensée pour les victimes des essais nucléaires. Il y a eu 2000 essais nucléaires au monde et il y a des millions de victimes. Des millions de victimes qui sont mortes, qui ont eu leur santé dégradée et qui demandent maintenant des réparations. Et ce nouveau traité d'interdiction des armes nucléaires prévoit justement l'obligation pour les États concernés, les États qui ont pratiqué ces essais et aussi les États maintenant qui ont subi ces essais, de compenser ces victimes et d'intervenir sur l'environnement pour réparer au plus, au mieux, les choses. Dans de nombreux pays de l'Union européenne, il y a eu des décisions que les armes nucléaires américaines devaient repartir aux États-Unis. Et malheureusement, la démocratie n'est pas la chose la mieux partagée dans des pays dits démocratiques, puisque les exécutifs de ces pays-là, la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Italie, refusent de suivre ces décisions parlementaires et de renvoyer les armes aux États-Unis. Avec le traité d'interdiction, les choses pourraient un peu changer, puisque la pression deviendrait plus grande, puisque ce traité d'interdiction précise que ces armes nucléaires sont illégales et donc qu'elles ne doivent même pas exister du tout et donc les renvoyer aux États-Unis. Le traité d'interdiction a été voté par plusieurs pays de l'Union européenne, l'Autriche, le Danemark, l'Irlande et Malte, mais aussi d'autres pays qui ne sont pas dans l'Union européenne, qui sont en Europe, comme l'Islande, la Norvège et la Suisse. Alors vous voyez que cette analyse montre que, en fait, le nucléaire est antinomique avec la démocratie. On l'a vu avec le nucléaire civil, et là le lien est très clair au niveau de nos sociétés. Le nucléaire civil et le nucléaire militaire empêchent la démocratie, puisque les décisions sont prises et on vit actuellement dans une dictature nucléaire qui oblige à subir ces conditions-là, les conditions que nous avons, de façon quasiment violente. Comment un président de la République peut-il décider sur des critères flous, volontairement flous, que les intérêts vitaux nécessitent une frappe nucléaire et en quelques minutes. Donc il est clair qu'une telle procédure implique un refus de la démocratie et le nucléaire est incompatible avec la démocratie, aussi bien le nucléaire civil que le nucléaire militaire. Le traité d'interdiction ouvre des perspectives d'action et il y aura dans les ateliers que vous allez suivre justement cette recherche des moyens d'action que nous pourrions avoir contre le nucléaire militaire. Contre le nucléaire civil, on en a parlé, mais contre le nucléaire militaire, il y a des possibilités d'action grâce à ce nouveau traité. En particulier, le traité prévoit
que toutes les activités liées aux armes nucléaires sont maintenant illégales. Et les activités liées aux armes nucléaires sont nombreuses. On ne s'en rend pas compte dans certains, dans nos pays, parce qu'on est tellement habitué à ce que tout fonctionne sans voir les problèmes et les suites de ce qu'on fait. Mais les banques, par exemple, font des prêts pour faciliter des constructions de vecteurs, de missiles, d'avions. Et tout ça, c'est lié aux armes nucléaires. La BNP, par exemple, prête de l'argent, non seulement en France, mais aussi dans d'autres pays de l'OTAN. Et la BNP dit, puisque c'est des pays de l'OTAN, ils ont droit d'avoir des armes nucléaires, ça fait partie de la doctrine de dissuasion générale, et donc ce n'est pas contradictoire avec mon éthique de banque. Voilà. Donc la BNP, c'est une des banques qu'on va dénoncer. Mais il y a également toutes les industries qui travaillent pour les avions. Prenez les avions de Dassault, par exemple. Dassault a vendu des bombardiers récemment à l'Inde, des bombardiers qui peuvent transporter des bombes nucléaires. Toutes les industries qui travaillent pour faire ces bombardiers, ceux qui font les bouchons plastiques et ceux qui font l'électronique, tout cela sont concernés par le traité d'interdiction et ne devraient plus fabriquer de tels éléments. Ce prix Nobel qui nous est attribué est en fait pour nous un label de qualité. Ça veut dire que nous nous sentons plus forts et c'est un encouragement pour travailler et pour faire connaître cette lutte contre le nucléaire militaire. Notre but, c'est évidemment d'arriver à changer l'opinion publique pour que la pression de l'opinion publique, finalement, oblige les décideurs politiques à prendre les décisions qui relèvent du bon sens, celles de l'élimination des armes nucléaires. Alors, je vous souhaite un bon forum et nous sommes sur la bonne route. On peut gagner. Merci. Je sens que ces trois jours vont être très constructifs et qu'on va ressortir avec beaucoup d'énergie et beaucoup d'actions à mener. Bon, moi, je vais terminer cette plénière avec des informations un peu pratiques sur l'organisation du forum. Vous avez, je pense, tous récupéré le programme papier qui est à l'accueil. En français ou en anglais, si vous ne l'avez pas fait, allez-y, vous le trouverez. Toutes les questions pratiques qui concernent les repas, les salles, les déplacements, parce que vous savez qu'on est sur plusieurs sites, si vous avez des difficultés, là aussi, il y a des personnes à l'accueil qui pourront vous renseigner. N'hésitez pas à aller demander en fonction de l'atelier que vous voulez aller voir sur le programme. Hein, regardez bien où ça se passe et si vous ne savez pas comment faire, renseignez-vous à l'accueil. Par rapport au programme, nous avons un changement de dernière minute de salle, c'est-à-dire la salle Louise Michel. La salle Louise Michel qui est située sur le site rue du Château d'Eau n'est plus disponible. Donc les ateliers qui sont prévus dans la salle Louis-Michel se tiendront sur le même site, toujours sur le même site, 3 rue du Château d'Eau, dans d'autres salles. Donc là aussi, on vous indiquera, hein, on vous indiquera dans quelle salle, mais prenez garde à ce changement, ce sera sur le même site, 3 rue du Château d'Eau, dans d'autres salles que Louise-Michel. Je voulais revenir un petit peu sur ce qu'a présenté Chico Whittaker en début de forum, c'est-à-dire que ce forum est une organisation qui est autogérée. Nous sommes un petit groupe dans le comité de facilitation d'une dizaine de personnes qui avons travaillé pour préparer cet événement. Nous sommes aidés par un petit groupe aussi de bénévoles et nous aurions besoin de quelques bénévoles supplémentaires. Donc, si certains d'entre vous peuvent nous aider parce que nous avons du transport de matériel à faire, comme il y a trois sites, il faut transporter le matériel d'interprétariat, les écrans, les bons. Donc, si vous avez quelques possibilités, nous aimerions vous voir aujourd'hui à 13h et demain à 9h à l'accueil pour nous donner un petit coup de main. Voilà.
Ce forum est autogéré sur le plan humain et ce forum est également autogéré sur le plan financier. Donc ça, c'est quelque chose auquel nous tenons beaucoup. Ce forum a été quasiment totalement autofinancé par les organisations qui ont versé des soutiens financiers, par vos dons et vos inscriptions. Et ça, c'est quelque chose qui nous semble essentiel pour pouvoir organiser, comme nous souhaitons, débattre et produire des résultats et des conclusions que nous ferons savoir au grand public et à la presse, nous le souhaitons. Dans le remerciement, nous remercions bien sûr toutes les organisations qui nous ont soutenus financièrement, mais en particulier, nous remercions l'Union syndicale solidaire, grâce à qui nous pouvons bénéficier de locaux gratuits à la Bourse du Travail, que ce soit dans cette bourse ici, au 29 boulevard du Temple, que là où vous irez dans les ateliers rue du Château d'Eau et également à Turbigo. Sur ces trois espaces, c'est merci à Solidaire. Et ceci d'autant plus que c'est pour nous très important de pouvoir parler du nucléaire dans une bourse du travail en France. Je voudrais terminer par trois points importants sur l'organisation de ce forum. Le premier, ce sont les personnes qui sont en train de vous causer dans vos oreilles, dans les petites cases là, les interprètes. Nous avons une équipe d'interprètes bénévoles qui va nous accompagner pendant ces trois jours. Nous les remercions énormément. Prenez-en bien soin. Prenez-en bien soin, nous avons vraiment besoin d'elle. Un grand merci encore. Un autre point, c'est que vous avez vu dans le programme, nous avons prévu deux temps de rencontres qui font partie du forum, mais qui ne sont pas des ateliers ou des plénières. C'est demain soir, nous avons prévu une soirée conviviale. C'est un espace restaurant bio, qui est pas très loin d'ici, qui est à 4 stations de métro de République. Donc, si vous voulez venir, on partagera un repas ensemble et on pourra chanter, parler. Voilà. Mais ce serait bien qu'on sache qui a l'intention de venir. Hein. C'est un repas bio qui se situe autour de 10-15 euros. Voilà. Donc, si vous avez l'intention de venir, merci de le confirmer à l'accueil. Également, pour dimanche, vous l'avez vu, nous avons prévu un déplacement à Bure pour apporter notre soutien aux résistants qui sont là-bas, qui vivent là-bas. Et un bus, il y a un bus de 50 places, il y a encore quelques places, donc n'hésitez pas à vous inscrire également pour aller à Bure dimanche, départ à 7h du matin de la place de la République et retour à 21h. Vous aurez toutes les informations à l'accueil. Inscrivez-vous et pour la soirée conviviale de demain et pour le bus de Bure en sortant de cette salle, s'il vous plaît. Et le dernier point, c'est que nous en avons commencé à en parler à nos amis étrangers qui sont ici. Nous souhaiterions bien sûr que cet espace de forum social ne s'arrête pas samedi soir, dimanche, mais qu'il puisse continuer, que nous puissions continuer à nous rencontrer, à construire des actions, des alternatives et des luttes. Et pour cela, il faut qu'il y ait une proposition d'un quatrième forum social antinucléaire, ce forum social mondial antinucléaire. Et donc, nous appelons les organisations étrangères ici présentes à voir si un des pays ici présent, serait partant pour organiser ce quatrième forum social mondial. On en reparlera à la plénière de clôture. Il n'y a juste pas de choix maintenant. On arrête à moins de vouloir payer quelques grosses multinationales. Ça ne sert plus à rien. Ça coûte trop cher, c'est dangereux,
et militairement, c'est inutile. Donc maintenant, la seule décision pragmatique, c'est on arrête le nucléaire au plus tôt.